Salut à toutes et à tous, ici BibiTM, on se retrouve pour une nouvelle partie de Majora's Mask 3D en votre compagnie. Et là vous vous demandez sûrement où je suis, mais oui rappelez-vous, je suis dans les bois perdus, les bois cascades. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, alors j'ai remonté le temps hein, par rapport à la partie précédente, j'ai déposé mes rubis, vous avez bien vu de toute façon le petit bonus que je vous ai mis au bout. J'étais allé retourner après chercher les 200 rubis que j'avais pas été prendre dans le bourg clocher. Donc ça met mon total à 1200 et quelques rubis, donc ça avance. Et puis je me suis renseigné parce que je me suis dit, est-ce qu'on a tout fait à la grande baie? Il y a des trucs, ça me paraissait bizarre et je voulais pas me bider, genre faire une quête et qu'on me donne 5 rubis au final et des trucs comme ça. Et en fait j'ai raté plein de trucs. Bon déjà ça, je te vole ton rubis. Coucou ma grande. Eh, hey, bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Alors moi je te prends ça, merci. Et vous savez très bien ce que je vais faire avec. Ouais, j'ai raté pas mal de choses. Alors, Link, arrête de faire ton AVC contre le mur. J'ai raté des quarts de cœur. Je pensais pas, pourtant. Dont un que ça m'a un petit peu rappelé. Vous avez vu, quand Taya est devenue bleue, je me suis dit, oh tiens, on dirait un truc qui pourrait servir à Gérard, le l'épouvantail. Eh ben, je me suis pas planté. Il va falloir utiliser l'épouvantail. Sauf qu'il va aussi falloir... Alors, attendez, par où que je retourne le plus vite? Enfin, que je vais le plus vite au bois... Ah, c'est par là. Mais c'est chiant, en fait. Devant le temple, on n'a pas... Enfin, devant le temple. Devant le palais Mojo, il n'y a pas de quoi se téléporter, là. On est obligé d'aller au bois cascade et de se taper le petit bout de chemin, là, pour revenir. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y aura un quart de cœur en plus à avoir avec l'épouvantail. Donc, maintenant que je l'ai, eh bien, je vais aller juste chercher un autre truc qu'il nous faut, c'est-à-dire un haricot magique. Voilà, il va nous falloir apparemment un haricot magique. Donc on va avoir ce quart de cœur là, il y en a un autre que je n'ai pas eu dans la grande baie toujours, donc ça nous en fera deux en plus, donc ça c'est cool. Et en plus le masque de la forteresse Gerudo que j'ai honteusement raté. Alors où est-ce que je pourrais repartir le plus vite là? Bon je pense que par là c'est le mieux hein. Donc un masque et deux quarts de cœur au moins de prévu dans cette partie. Alors par contre j'ai... Oh là qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai essayé de voir pour la photo de Lulu, par rapport aux auras qui voulaient la photo, j'ai rien trouvé de significatif, hein, c'est-à-dire que je sais pas si c'est vraiment un quart de cœur qui se trouve au final là-bas. Allez, allez, on y croit, moi j'y crois, Link. Je crois que je l'avais déjà fait, oui. Donc voilà, j'ai pas vu de quart de cœur lié à ce Zora qui demandait une photo de Lulu, donc j'en ai finalement un peu rien à faire de lui. Il va juste falloir que je vois aussi le buff. Le fameux buff qu'on doit faire avec un des membres du groupe, parce que bah pff, je vois pas trop ce qu'il me demandait, ni à qui il fallait que je parle. Donc dans un premier temps, voilà, j'ai pris la potion rouge pour la donner à un certain personnage qui se trouve à la forteresse Gerudo, mais que l'on n'a pas encore vu. Mais je comprends pourquoi ce masque il a été déplacé quand même, parce que vu que c'est un masque basé sur l'infiltration, c'est normal... de le mettre à un endroit où il y a de l'infiltration et pas après, parce que là en l'occurrence il était après alors qu'on en a plus vraiment besoin par la suite. C'est par où? C'est par là. Autant je trouve que l'endroit où il est foutu il est très mal placé, je vous le donne en mille. C'est quand j'ai voulu grimper à l'échelle, j'avais assommé plusieurs Gerudo et Taya est venue me voir juste avant que je monte à l'échelle et je lui ai dit ta gueule Taya, c'est pas le moment. Parce que je pensais qu'elle allait me dire un truc con genre oh attention il y a des gardes Gerudo, il faudrait être discret. Et je me suis dit dans ma tête bah merci bitch, je sais qu'il faut que je sois discret quoi, donc je m'en foutais un peu de ce qu'elle me disait. Mais non, c'est parce que c'est là qu'il y a l'événement à faire. Bah ouais, mais je trouve que c'est pas... Oh la vache, j'ai failli me noyer dans 20 cm d'eau. Je trouve que c'est pas le meilleur endroit où mettre ça, ils auraient dû le mettre plus en arrière. Alors comme ça tu veux encore des haricots magiques? J'en reprends ces 10 rubis. Allez, un petit haricot magique. Tu sais quoi? Vu que je suis pas bégueule et que t'es tout seul et que je suis sûrement ton seul client, je t'en prends deux. Je sais pas si ça me sera utile, mais dans le doute, je préfère en prendre. Ah oui, par contre, il faut que je prenne de l'eau d'ici. Alors ça, c'est relou aussi. Même si vous m'avez dit qu'il y avait d'autres sources hein, qui fonctionnaient, je me souviens plus lesquelles par contre. Parce que je m'étais fait chier la dernière fois. Je pensais que toutes les eaux marchaient, mais en fait non. Il y a que certaines eaux. L'eau de source est évident. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est logique, mais en même temps, je trouve que l'endroit où ils l'ont foutu est mal placé. Voilà, c'est mon petit coup de gueule à ce niveau-là. Parce qu'on est en plein dans l'infiltration, les gardes Gerudo sont assommés, mais peuvent revenir... pourquoi je fais ça, moi? Mais peuvent revenir à la vie en 10 secondes top chrono. C'est pas le moment où tu vas choisir d'écouter Taya alors que tout le monde se réveille et que tout le monde t'encercle. Enfin, je trouve que c'est pas très logique.
Alors, grande baie, côte ou cap des aurores? On va aller déjà ici, parce qu'il y a un quart de cœur tout bête. Il faut que je fasse plus attention au décor, parce que vous avez peut-être vu qu'il y avait des gros rochers, des fois, dans le décor et tout, qu'on peut péter avec des bombes, mais j'ai tellement l'habitude, en fait, que ça serve à rien, ces rochers-là, que tout simplement, tu les pètes et il n'y a rien en dessous, ou alors 5 rubis. Voilà, par exemple, ceux-là, là, vous voyez, il y a des gros rochers. Bon, eux, en l'occurrence, je peux pas les péter, parce que je peux pas mettre des bombes dans l'eau. Mais apparemment, il y en avait un plus par là-bas, si je ne m'abuse. Peut-être, un jour. Oui, non. Il me semble que c'était là qu'ils l'ont indiqué. Oh bah c'est pas plus en arrière quand même, si? Attendez. Putain, c'est quand que ça me fait le changement d'environnement là? Je suis en train de me taper 3 km. Est-ce que c'est avant? Est-ce qu'il y a un gros rocher par là? Bah non, il n'y a pas de gros rocher par là. Ah si, lui! Ah, est-ce que c'est lui? Attendez, 2 secondes. C'est bien lui! Alors par contre, le truc qui est cool, c'est que je suis exactement de l'autre côté. Donc il faut que j'appelle. Ah! Voilà, magnifique. Non! Mais quel con! Eh ben ça m'apprendra à faire n'importe quoi. J'ai appuyé B, ça a annulé le... ça a annulé l'instrument. Et après j'ai appuyé sur X, ça m'a vidé mon truc. Voilà, magnifique. Epona, je sais pas ton chant. Je sais juste faire du grand n'importe quoi. Voilà. Ouais, un quart de cœur ici, donc vous voyez, en fait, faut vraiment péter tous les rochers. Et j'ai lu encore quelques quarts de cœur ici ou là, que j'aurais pas eu. Ah, il y a des trucs, c'est tordu quand même. Il y a franchement des trucs, c'est tordu, notamment avec le premier... Allez, cours. Ah, oh, j'ai cru que ça passerait pas. Notamment avec le premier mojo à qui on donne un titre de terre. Il y a un truc... enfin, il nous fait un truc que je trouve ça... je trouve ça un peu bizarre, ce qu'il faut faire. Ah, j'ai pas de bombe. Mais c'est pas grave. Regardez. Hop. Boum. J'aurais pu me protéger pour pas prendre de dégâts, mais bon. J'ai le luxe, j'ai 11 cœurs, j'ai l'endurance. Voilà, ça m'a fait un quart de dégâts. Oh merde. Je l'ai utilisé marrant, mon épée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Des petits trucs rigolos ici. Alors j'espère que ça va pas m'attirer. Hop, toi tu coupes. Qu'est-ce qui se passe là? Des dardarnians. Ça m'étonnerait. Peut-être des rubis. Non, ça tombe. Ah, et si ça me fait des poissons? Ah, le petit quart de cœur, ouais. Alors par contre, je vais y aller en Zora. On va y aller en mode anguille électrique. C'est parti. Hop. Oh, seulement un coup, tiens. Je pensais qu'il en fallait un peu plus. Et un nouveau quart de cœur. C'est le premier. Ramassez-en 4, ouais, c'est ça. Hop, un nouveau petit quart de cœur, ça c'est cool. Si tu voulais bien remonter à la surface quand j'appuie sur A, merci. Oh là là, moi qui pensais ne plus m'en servir là pendant quelques temps. Mais finalement, il trouve quand même le moyen de me faire mettre le Zora pour un quart de cœur. Bon, en même temps, les quarts de cœur, c'est bien. Ah oui, il y en a un autre, notamment, je vous l'avais dit en plus, hein. Le quart de cœur, si vous... enfin, le coffre, si vous vous souvenez, dans la... sur le chemin pour aller au village Goron, il y avait un coffre dans l'eau, enfin dans l'eau gelée à la base, et dès qu'on l'a dégelé, le coffre était accessible, c'est un coffre doré en plus. Mais il fallait le Zora, chose que je n'avais pas à l'époque, et bien dans ce coffre-là, il y a bien un quart de cœur comme je l'avais prévu. Alors attendez, ils me disent au nord-ouest. Nord-ouest, c'est en plein dans la mer, donc... Ah si, peut-être là. Ah si, c'est ça. Ça doit être ça, là. C'est pas le nord-ouest, ça. Parce que c'est vrai que j'ai très peu exploré là-bas. Il y a des choses à voir, pourtant. Et c'est vrai que je suis passé un peu vite là-dessus. Alors, vous offusquez pas si je regarde, des fois, un peu la soluce pour certains quarts de cœur. Que pour des quarts de cœur, d'ailleurs. Bah, c'est juste que je les connais pas, donc je vais pas les inventer. Calanque des pirates, accès interdit aux touristes. Je ne suis point un touriste, je suis un Zora. Hop, toi, si tu veux bien dégager. Voilà, je pense que c'est là-bas, là, sur le palmier. Ah, remarque, genre... Ah merde, mais non, mais ça le tue pas, ça chute pas. Ah bah c'est là en plus, je crois. Il faut mettre le haricot. Ah bah parfait. Bah non. C'est une étoile de mer, merde. Je pensais que c'était l'endroit pour mettre le haricot. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des flèches, des rubis. Ou alors c'est là-bas. Ou alors c'est... Ah, ça... ah c'est peut-être là-bas aussi. Ah, il y a plein de choses en fait à voir au temple de la... Enfin, au temple de la Grande Baie. Ou à la Grande Baie, tout simplement. Il n'y a pas de temps. Alors toi, si tu voulais bien dégager un peu parce que tu me stresses. En plus, ils sont énormes, ces puddings, là. Je sais pas ce qu'ils ont mangé, mais... Donne-moi des rubis, tiens. J'en ai pas assez. J'ai été prendre le coffre, hein, le premier coffre dans le bourg clocher. C'est toujours le truc à faire. Au tout début, j'ai envie d'aller voir là-bas.
Est-ce que je peux mettre le masque d'Ouzora dans l'eau? Ah oui, ça c'est bien. Alors là, il n'y a pas... J'ai pas eu de truc pour mettre le haricot. Allez, vas-y. Ah merde, j'ai plus de magie. Bon, c'est pas bien grave. Enfin, c'est pas bien grave. Non, ça va, c'est des trucs de haut grappin. J'ai cru que c'était peut-être des torches allumées. Et là, je me suis dit, merde, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et genre, est-ce que je peux me ressourcer ici? Mais vous voyez, il n'y a que certaines eaux. Mais ça, c'est chiant, ils auraient dû mettre toutes les eaux plutôt que certaines. Oui, il y a celle des gorons aussi, que quand elle refroidit, bien sûr, ça devient de l'eau normale et on peut l'utiliser pour des haricots. Alors, qu'est-ce qui se passe sous l'eau? Rien de bien important, je peux toujours pas, non. Ah, par contre, vous savez que je m'agrippe parce que ça me paraît un peu haut quand même. On va faire tout le tour, histoire d'être sûr de rien rater. Les flèches, je ne lis pas, non. Ok, donc là, il n'y a rien d'autre à faire. On retire le Zora, on prend ça. Clac, 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 clac. Ah, ici, il y a un trou. C'est peut-être là-dedans qu'il parle. Je sais pas. Il me semblait que c'était plus à l'air libre. Je pense que c'est là-dedans, là, là-bas. Sur le palmier. Malheureusement, je peux pas utiliser le grappin en étant dans l'eau. Où c'est que je peux m'accrocher? Ah, voilà. Ah, la lune paraît déjà grosse, dis donc. Pourtant, c'est que le premier jour. J'ai cru voir un trou. Oui, non? Ah oui, il y a un trou, là. Hop! Ah, purée, j'ai cru que j'allais faire un one-shot. Bon, bah, je sais pas, on va y aller, hein. Un trou sur une portion de la falaise. Ah, oh, des meumeux. Qui est une plateforme, donc c'est pas logique, mais... Coucou les meumeux! Oh, ils sont mignons, les meumeux! Vous voulez partir chez McDonald's? Vous voulez faire des bons cheeseburgers? Alors, ça ne m'intéresse pas, les meumeux. Enfin, je pense pas, hein. Je pense pas que ce soit une quête pour un quart de cœur. Juste si on leur fait le chant des Pona, comme dans Ocarina of Time, et vont vous donner du bon lait. Sauf que moi, ça m'intéresse pas, hein. J'ai pas besoin de me ressourcer. Mes cœurs, hein, 11 cœurs avec l'endurance, franchement, va falloir y aller pour me les vider. Alors, par contre, c'est par où après? Ah, je peux m'accrocher à la lune? c'est par là. Je crois que c'est ça qu'il disait. Il parlait de... Par contre, je veux bien de la magie, parce que ça me stresse de pas avoir ma barre de magie. Hein. Je m'en fous un peu de vos 5 rubis aussi, au passage. Ah là! Là, 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 là. Il y a le truc pour le haricot. Alors, j'espère que c'est lui, hein. Ah bah oui, c'est lui, de toute façon, vu qu'il n'y a pas d'autres... Il y a pas d'autres trucs. Ok, parfait. Haricot, please. Ça, c'est genre un quart de cœur que j'ai dû ne jamais faire. Hein. J'ai dû jamais le faire, celui-là. Ça me dit absolument rien. Vive les OGM. Inventaire. La petite fiole d'eau. Si le jardinage, c'était aussi simple. On plante un cerisier... Paf, il y a déjà une pousse, on lui met un verre d'eau. Hop, il nous fait des jolis fruits. Alors par contre, où est-ce qu'il va m'emmener? Alors ici, là, il n'y a rien d'intéressant. Oui, non, c'est cool, mais je m'en fous d'ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est tout? Ah, ça veut dire qu'il faut que je descende sur la première plateforme. C'est vraiment du luxe, franchement. Nous faire retourner là-bas. Mais comment je fais là? Ah oui, et là, je fais le champ. Pas ça? Purée, c'est quoi? Il est où? Ah, mais ils me disent pas en plus. Oh. Ah non, me dites pas qu'il faut le faire à chaque fois. Me dites pas qu'à chaque fois qu'on remonte le temps, il faut le faire. Non, non, non. Ah non, vous me faites pas ça, les gars. Hein. Oh non, 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 vous me dites pas ça. Oh non, ça, ce serait vraiment une idée, mais à la con. Pourtant, je crois que j'ai tout fait, là. Il me semblait que ça commençait par X. Ou par A. Oh purée, mais non. Mais c'est d'un ridicule. Purée, pourquoi le champ, il reste pas alors que tous les autres y restent avec leurs effets? Mais foutez-vous de moi, mais sérieux. Mais c'est quoi le rapport? Attendez, je vais me confirmer avec ma propre vidéo, voir si c'est bien ça, mais... Je suis deg. Mais c'était bien ça, la chanson. Mais c'est ridicule, purée, je suis obligé de retourner là-bas, de lui faire le chant. Pour qu'il l'enregistre à nouveau. En gros, à chaque fois que je remonte le temps, je suis obligé d'aller le voir et lui faire une chanson. Non, mais c'est... Mais quelle idée! Mais quelle idée! C'était pareil dans la version originale? Ah, je pense, mais attends, c'était clairement un truc à améliorer.
Est-ce qu'on a envie de se taper à chaque fois, tout un tour du truc, histoire d'avoir 200 rubis pour commencer les 3 jours, plus faire le chant de l'épouvantail et tout. Attends, mais c'est d'un chiant. Eh, sérieux, je comprends pas ça. Ça, je comprends vraiment pas comment on peut laisser passer une idée pareille, quoi. Oh ouais, ils vont devoir refaire le chant à chaque fois et tout. Ils vont croire qu'ils l'ont à jamais, et puis finalement, ah bah, ils l'ont dans le cul, ils sont devant le fait, ils sont dans la grande baie à 15 km, et bah hop, ils vont être bidés à ce moment-là. Purée! Non, il est cool, tiens. Allez, bouffe. Ouais, c'est génial, mon chant. Allez, casse-toi. Non, je pense avoir plus. Ouais. Allez, barre-toi. Purée! Mais c'est chiant! Mais pourquoi il vient pas tout simplement? Ce serait plus simple pour tout le monde. Là, je suis obligé de retourner à la grand-mère, me taper le chemin, de refaire mes grappins. On se retrouve juste devant le haricot. Heureusement qu'on a une belle vue, parce que franchement, je suis énervé. C'est deux parties que j'enregistre et deux fois vous m'énervez. Attention, messieurs de chez Nintendo, ça va finir par casser, par chier des bulles carrées, là, comme je dis. Hein. Mais non, mais sérieux. Je comprends pas l'idée qu'ils ont eue avec cet épouvantail, là. Ils auraient dû nous faire un chant illimité, quoi. Vous le faites une fois et tout, et bah voilà. Hein, Gérard, qu'est-ce que tu me fais, Gérard? Purée. Bon, en tout cas, on a eu ce quart de cœur-là, donc ça, c'est cool. Je me pète les deux rotules comme ça. Je me sens mieux. Alors, par contre, je me demande quand même ce que c'est là-bas, quoi. Sur le petit îlot. Alors, j'ai pas entendu parler d'un autre quart de cœur. Est-ce que je peux y aller, déjà, au moins? Comment on va là-dessus? Comment est-ce qu'on va là-dessus? C'est une bonne question, ça. Je veux pas utiliser mon grappin en Zora. Le Zora, bah, il peut pas se projeter n'importe comment au-dessus. Franchement, j'en ai aucune idée. De toute façon, je pense pas que ce soit très important. Alors, par contre, j'aimerais bien un peu de magie, s'il vous plaît, parce que là, je pète des jarres depuis tout à l'heure. Je suis complètement en rade. Oh, mais je m'en fous de vos cœurs et de vos flèches. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je suis déjà full cœur. Alors maintenant, on va retourner dans la forteresse Gerudo. Avec les Gerudo qui ont besoin d'aller chez Afflelou parce qu'ils n'arrivent même pas à me voir alors que je suis à 10 mètres sous leurs yeux. Et puis on va obtenir le dernier masque. N'importe quoi. Je craque complètement, messieurs, dames. Obtenir un des autres masques. Ah, ça c'est nouveau, ça. Ça mène où? Si il faut, ça m'intéresse. Je sais pas si ça m'intéresse vraiment, en fait. Bon, on va voir. Ah non, mais... Ah, mais je peux pas y aller. Ouh. Ah, mais il y a un petit truc, d'accord. On va voir où ça va mener, tiens. En tout cas, je crache pas sur un petit raccourci, là. Ça pourrait m'amener directement devant le fait. Je vois pas ce qui m'emmène dans cette porte, en fait. Cette porte me parle pas. Ah si, j'étais venu ici, j'ai dit, oh, c'est le début, blablabla. C'est quand on était sur une aile à droite, je crois. Ouais, oh là là, je me repère bien. Et le masque, il est là. Mais il y a un Gerudo qui traîne dedans. Comment vous voulez qu'on... Bref. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont foutu le masque là. En plus, je sais même pas exactement où il est. Hein. J'ai pas vu d'image, j'ai pas vu de truc. Alors, je m'équipe. Les flèches, le monocle et la potion rouge. Là, vous vous demandez vraiment qu'est-ce qu'il va foutre? Il va acheter de la potion rouge sur des Gerudo? Ah, j'ai oublié le masque du lapin. Ça, c'est important quand même. Ça fait gagner des précieuses secondes. Boum. Quoi? Pourquoi je peux pas faire le monocle, bordel? C'est quoi ce délire? Mais pourquoi je peux... Ah, mais j'ai pas de magie! Mais merde! Tiens! Ah, elle a voulu me voir. Hein. Purée, mais donnez-moi de la magie! Mais donnez-moi de la magie! Mais purée! Il n'y a plus rien qui me donne de la magie, c'est ouf! J'ai besoin de magie. Depuis tout à l'heure, je pète des vases, je pète des herbes, je pète tout ce que vous voulez, personne ne me donne de magie. Oh. Et vous avez vraiment décidé de m'énerver aujourd'hui. Hein. Je suis obligé... C'est verrouillé? Mais pourquoi? Oh là là! Eh mais les gars! Mais vous voulez ma mort ou quoi? Vous voulez que je passe 40 ans dans la grande baie, c'est ça? En plus, c'est l'environnement que j'aime le moins, alors là, vous me faites vraiment plaisir. Mais y'a rien dedans, mais ça mène où là? Ça mène au début, non? Mais y'a pas de magie ici.
Alors là, c'est vraiment une première, hein. Que j'arrive pas à faire un truc à cause de manque de magie que personne veut m'en donner. C'est quand même fort, ça m'était jamais arrivé ça encore. Oh là là, mais en plus je sais même pas où il y a des trucs. À la limite peut-être dans les pièces où il y avait les autres Zora, je sais qu'il y avait des... Est-ce que ça marche le grappin? Oui. Parce que j'avais un peu la flemme d'utiliser autre chose. D'aller dans mon inventaire, de prendre l'arc et tout. Ça m'inspirait pas bizarrement. Oh purée, je m'en souviens. Je voulais pas y retourner dans cette forteresse. Je vous ai dit au combien j'étais content de faire tout ça en un coup et tout. Et qu'est-ce qui arrive? Et ben Nintendo, ils me font n'importe quoi. Bah oui. Allez, dégage, dégage, maligneur. Donne-moi de la magie. Ouais, ouais. Donne-moi de la magie. Donne que dalle en plus, hein. Voilà, normalement il y a un œuf. Et normalement il y a des trucs autour là. Hey. Je m'en fous. Je m'en fous. Oh, mais me donnez pas des rubis. Mais purée. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est. Mais là, je sais pas où trouver de la magie, c'est fou. Ils te foutent un masque, ils te donnent même pas de quoi te ressourcer en magie si jamais. Si jamais, bah, vous pouvez pas quoi. Non, mais. C'est. Ça dépasse l'entendement, comme qui dirait. Mais je m'en fous, Taya, purée. Moi, je veux bien te foutre le monocle, mais... Je comprenais pas au début, j'ai cru que c'était parce que... Il y avait la banderole, là, nuit du deuxième jour, ou je sais pas quoi, qui passait. Et après, je me suis dit, ah non, c'est peut-être parce que j'ai le masque du lapin. Vous savez, la logique qui rime à rien, hein. Je vois pas pourquoi le masque du lapin, il irait me faire quelque chose. Mais... Hop là, on gagne de la vitesse. Eh, mais sérieux, quoi. Tout ce que j'entreprends depuis deux parties... Ouais, mais je sais... Oh purée, en plus je vais devoir me taper la scène. Oh là 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 là. Oh là là, on se retrouve dès que j'ai trouvé de la magie, les gars. Je vais pas vous faire subir ça plus longtemps. Purée. Mais où? Je me demande ce qu'il y a dans le coffre maintenant que j'ai déjà pris le... le grappin. Un rubis bleu, et même pas un rubis de sang, hein, les gars, ils sont vraiment rades. Ah, il y a de nouveau les œufs, mais qu'est-ce que je m'en fous? Donnez-moi de la magie. Mais donnez-moi de la magie. C'est hallucinant. Mais pourquoi ils mettent des tonneaux? Il n'y a rien dedans. Je veux que vous regardiez bien où je dois retourner pour choper, espérer choper de la magie. J'ai fait toute la forteresse Gerudo. Je me suis tapé quasiment toutes les Gerudo et j'ai rien eu. Pas une fiole, pas une seule petite fiole de magie. Mais c'est hallucinant et là-dedans, il n'y a que des rubis. Et il y a la mémé qui va se faire violer à minuit. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Et toi, tu me laisses passer. Ah, tu me laisses passer, je suis énervé. Je suis énervé si tu me laisses pas passer, je vais te couper le gigot en deux, tu vas pas comprendre ce qui t'est arrivé. Purée, il y a que dans la plaine de Termina que tu peux trouver bêtement de la magie. Non mais, c'est hallucinant. Pourquoi ils en donnent pas dans la grande baie? Y a rien, y a rien qui te donne de la magie, c'est hallucinant. Enfin, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais... On te fout un masque, on te donne même pas de quoi l'avoir si jamais... Il y a toujours un pourcentage de chance que t'aies pas le truc, enfin t'aies plus de magie à ce moment-là, parce qu'ils ont été trop cons, ils ont mis la magie sur le Zora pour faire avancer plus vite, par exemple, hein, je donne juste des exemples. Et les gars, ils pensent pas à te mettre des fioles de magie juste à côté d'un masque qui en demande pour pouvoir l'avoir. Déjà que tu te fais chier à aller chercher ta potion rouge à l'autre bout du monde pour aller lui donner, eh non mais... Et là, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Eh ben, on est obligé d'avancer à deux à l'heure, bah oui, sinon, on use de la magie, mais oui, c'est ça qui est bien dans le game design, c'est de pouvoir avoir des idées qui font avancer les choses, qui font avancer le jeu vidéo. C'est quoi ce double saut de la mort buggée que j'ai eu, là? On est de retour! Mais non... Je voulais l'inventaire... On reprend donc
Les flèches. Le masque du lapin. Le monocle et la potion. Parce qu'en plus, il faut 4 millions de trucs. Hop. Bon, pourquoi? J'avais envie de te taper, toi, là-bas. Elle est où? La rousse. Monocle, il est où? Tu sens une présence. Mais... Taya! Quoi? Tu m'as appelé? Étrange, j'aurais juré entendre quelqu'un appeler. Il est où? Mais il est où, putain? Elle va m'énerver, cette quête. Ah, elle va m'énerver. En gros, il est en haut des escaliers, c'est ça? Non, mais... Et comment je suis censé savoir à partir de ça que il faut que je foute le monocle? Non, mais... Quand une quête est bien à la base, mais la changez pas! Pourquoi vous allez la changer? Ça rime à quoi? Non, non, c'est bon, Taya. Si c'est pour me dire de la merde encore, c'est pas la peine. Hein. Il est où, le gars? Il est accroché à l'échelle ou quoi? Il doit être en haut, vu que c'est à peu près safe. Mais what? C'est pas le masque de vérité. Le masque de vérité, il sert pas à ça. Mais non, c'est le monocle. Je suis circonspect, messieurs, dames, par cette quête. Mais c'est hallucinant! Mais il est nulle part! Il est pas dans la caisse, il se la joue pas Snake quand même! Il est là, là! Qu'est-ce qu'il fout là? Mais en plus... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là pour la défense des développeurs, franchement. Mais quelle idée! Ah, quelqu'un m'a enfin remarqué. Ouais, bah franchement, si ça tenait qu'à moi, je t'aurais laissé crever là. Je m'appelle Shiro, je suis l'un des gardes de la ville. Personne ne fait jamais attention à moi. Ouais, bah je comprends pourquoi. Ah, pas la position fétale. Alors j'ai voulu accomplir l'exploit de m'introduire dans la forteresse des pirates, mais je suis tombé à bout de force et je me suis retrouvé là. J'arrête pas d'appeler à l'aide, mais même les pirates ne me remarquent pas. C'est sûrement parce que je suis aussi intéressant qu'une pierre. J'ai un service à te demander. Tu ne voudrais pas m'apporter une potion qui me remette en forme? Tiens, bah, prends-la. Et puis meurt, quoi. Étouffe-toi avec. Ah, c'est ça. Ouais, je me sens mieux. Merci. Oh, tiens, en récompense. Je l'aurais pas volé, ce masque, hein, franchement. Vous obtenez le masque de la pierre. Portez-le pour devenir aussi insignifiant qu'un caillou. Merci, monsieur. Un garde disparu. L'homme sans présence. Vous avez rendu des forces à Shiro, l'homme sans présence. Il vous a offert le masque de pierre en remerciement. Bon, je vais pas m'éterniser ici. À la revoyure. Et là, il se barre. Et si je me barre avec toi, est-ce qu'on peut sortir safe? Je peux te parler ou quoi? Il va vraiment se barrer. À petite foulée. Petit talon fesse. Moi, en fait, dans la version précédente, je pensais qu'il c'était un soldat mort, en fait. Et qu'il était devenu fantôme et qu'il s'en rendait pas compte. Mais non, apparemment, il est juste vivant. Je vous dis merci d'avoir regardé cette nouvelle partie de Majora's Mask 3D qui a été, mais pénible, mais vraiment pénible, quoi. Ah, putain, elle va pas me voir, en plus. Et je vais me faire bouffer par les poissons. Et bah, c'est une belle fin, tiens. C'est une belle fin qui résume bien mon sentiment sur cette partie de Majora's Mask. Franchement... Je comprends pas trop pourquoi ils ont bougé cette quête. Oui, c'est pour avoir le masque avant, mais il y avait des façons tellement plus intelligentes de le faire. Genre juste avant, genre là, à l'entrée. Pourquoi le foutre derrière une caisse entourée de Gerudo? Alors que, bah, c'est un endroit où...
Je sais pas, moi, c'est pas là que j'irai m'amuser à prendre le temps de mettre mon monocle, de regarder un peu autour de moi, alors qu'il y a 3 millions de Gerudo qui me tournent autour, quoi. Et puis je vous dis à très vite pour la suite, si jamais cette Gerudo veut bien finir par me voir et me refoutre à l'entrée de la forteresse, quoi. Mais allez, mais purée, mais ça va faire pareil, pourtant j'essaye de la couper, là. Mais vois-moi, mais pourquoi tu me vois pas? J'ai pas le masque de la pierre, pourtant. Allez, mais putain, mais tourne ta tête. Voilà.